Je me présente Christelle Ngarlem, je suis athlète en haltérophilie et je suis étudiante à l'Université de Montréal en criminologie. En haltérophilie, si t'as un doute, ça va jamais marcher. Il faut que tu te vois en train de réussir la barre. À partir du moment où t'as un doute, ça c'est comme faire un faux départ dans le sprint. Il faut que tu te crées une confiance parce que sinon, te mettre dans des positions comme irréaliste, comme l'arracher ou l'épaule jetée en dessous de 100 kg, garantit que soit que tu as une blessure qui vient si tu y crois pas ou tu tiendras pas la force avec autant de vigueur que quand tu y crois. Quand j'ai commencé, on m'a dit « Tu vas pas venir jouer, tu vas venir faire une discipline. » Il y a une différence. Quand tu vas faire du plongeon, la natation, de l'haltérophilie, c'est des disciplines sportives. Qu'est-ce qui te garde accroché, je pense? En tout cas, pour ma part, ça a été mon rêve olympique. Quand je rentrais dans le gym, il y avait des anneaux des Olympiques, je voyais des gens qui étaient déjà allés. Puis moi, je me suis retournée et j'ai dit, moi, j'ai envie de faire comme eux, de réaliser le même rêve qu'eux. Maintenant, avec les années, j'ai toujours cette passion-là, mais elle est véhiculée différemment. C'est sûr que là, en plus, c'est mon emploi. Mais là, au moins, j'ai l'impression que je suis plus proche de mon objectif. Alors, j'ai vraiment l'impression que je peux y arriver, fait que c'est pour ça que je le fais. Et puis aussi, j'essaie de m'impliquer dans la cause de la santé qui me tient vraiment à cœur parce que ma mère a la sclérose en plaques. Alors l'année passée, j'ai décidé de mettre sur pied une campagne, une collecte de sang en fait, puis j'ai décidé de la faire au Sepsum et puis d'inciter toutes les athlètes carabins, les sportifs et la communauté régulière à venir donner du sang pour que on se rend compte de la chance qu'on a de pouvoir faire du sport, puis pour mon cas, de vivre par mon sport, puis d'être en santé, parce que la santé, ça va pas tout le temps au mérite. Alors, c'est important pour moi que les sportifs se rendent compte de ça, puis qu'ils redonnent à leur façon. J'ai choisi de faire de l'haltérophilie après l'avoir vu dans le film Mademoiselle C. Et puis, j'étais à l'école primaire, je pense en 5e ou 6e année, j'ai vu ce film-là. Sa mère, dans le film, est atteinte d'une maladie. Fait que je pense que je me voyais un petit peu dans le film. Quand je suis revenue chez moi, j'ai dit à ma mère, « Maman, j'ai envie de faire de l'haltérophilie. » Eh bien, la relation avec ma mère, c'est la plus belle relation que j'ai. Ma mère, elle est atteinte de la sclérose en plaques depuis que j'ai l'âge de 6 ans environ, puis elle est en invalidité et elle est monoparentale. Alors, ma mère, elle a vraiment consacré une bonne partie de sa vie entièrement à moi puis à mon rêve. Maintenant, je peux dire que c'est notre rêve parce que elle souhaite autant que j'aille au jeu de 2020 que moi, évidemment. Alors, quand t'es monoparentale, juste être un parent, c'est difficile. Fait que tu t'arranges pour que les éléments de base pour ton enfant soient là. Mais elle, en plus, elle m'a permis, d'un, d'aller dans une école privée. Deux, de m'épanouir dans mon sport. Puis elle m'a jamais restreinte d'aucune façon, mais elle mettait quand même la priorité que l'haltérophilie, c'est un rêve, c'est vraiment le fun, c'est une belle discipline. Sauf que l'école, c'est tout aussi important. Alors pour moi, elle m'encourage dans deux sens. Alors il y a mon diplôme, mon premier certificat que j'ai fait, et puis il y a mes médailles, mais pour elle, c'est tout aussi important. Je dirais que je suis vraiment reconnaissante pour la vie que j'ai aujourd'hui, puis que je suis très positive, puis dans la vie, il n'y a vraiment rien de grave.